Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés au webinaire. On va attendre juste 2 petites minutes pour que les participants inscrits se connectent et on commencera avec Antoine la présentation sur la réforme de la loi santé au travail. Mais on attend encore une petite minute, vous êtes nombreux à vous connecter, à vous être inscrits, donc on attend encore une petite minute et puis on va démarrer de Oui. manière à pas trop vous faire patienter. Bonjour à tous. Je vais juste répondre à une question qui a été posée sur le chat. Donc oui, l'ensemble des inscrits vont recevoir le lien pour revoir ce webinaire. Donc la vidéo est bien enregistrée et vous pourrez le revoir, effectivement. À fait. Allez, on va démarrer, Antoine, si ça te va. Allez, on Allez, go. commence. Alors, merci à tous de vous être joints à nous pour ce webinaire sur la réforme de la loi santé au travail. C'était important pour nous d'être voilà, présents sur cette thématique sur laquelle APAV, évidemment, accompagne les entreprises et les collectivités sur les sujets de santé, sécurité au travail. Et c'est vrai que ce sujet de la réforme de la loi santé au travail qui vient, alors qui est porté depuis un petit moment, Antoine vous en parlera, mais qui est en cours d'application et d'applicabilité. C'était important pour nous de pouvoir vous décrypter un focus important sur la prévention des risques. Donc, vous allez le voir, on ne va pas passer en revue l'intégralité des mesures de la loi santé au travail, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps qu'une heure. Néanmoins, pour nous, c'était important de faire un focus sur la dimension prévention des risques autour de cette réforme. Donc, on va aborder le sujet en 3 points principaux. Le contexte des étapes chronologiques, évidemment, pour se redonner une dimension un peu contextuelle. Les évolutions majeures de la réforme. Et puis, les points clés qui sont liés à la prévention des risques. Juste en termes de peut-être pour se présenter Antoine et moi. Donc je suis Anne-Laure Tessier, je suis en charge du département marketing au sein du groupe APAV et j'ai précédemment eu une expérience assez longue en tant que consultante sur les sujets RH et ATMP, voilà, gestion des risques professionnels. C'est la raison de ma présence avec vous aujourd'hui. Et bonjour, donc Antoine Flochon, moi je suis responsable technique en conseil en santé sécurité au travail, donc en charge du développement de nos prestations et la suivi des compétences de nos consultants et précédemment consultant au sein du groupe APAV et responsable de sécurité dans une grande entreprise en France. Voilà pour ma part. Je vais vous donner quelques recommandations avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de la thématique, juste pour vous dire donc que vous avez sur la droite du menu des questions que vous pouvez nous poser. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure de la présentation. C'est beaucoup Antoine, vous le verrez, qui sera à la manœuvre et à l'animation. Donc je serai vigilante à vos questions et en toute fin de webinaire, on va prendre le temps de répondre aux plus récurrentes. Et puis à l'issue, de toute façon, on constituera un fichier global de réponses. Donc, on répondra à l'ensemble de vos questions et on le partagera à l'ensemble des participants. Donc, vous aurez de toute façon des réponses à vos questions. Et puis, vous avez une barre également à droite de sondage. Donc, au fur et à mesure du webinaire, on vous posera quelques questions pour aussi avoir un peu d'interaction entre nous, que ce ne soit pas que descendant. Donc, ça nous permettra d'avoir cet éclairage-là. Et puis, ça nous donnera aussi un peu de tendance sur vos priorités et où vous en êtes de ce sujet de la loi santé au travail. Donc, je vous le disais en introduction, APAV et la santé sécurité au travail, c'est un peu dans l'ADN de l'entreprise. APAV, c'est un groupe qui existe depuis 150 ans et qui est présent aux côtés des acteurs économiques pour les aider à maîtriser leurs risques, notamment professionnels.
On a sur la dimension santé, sécurité au travail vraiment une expertise avec plus de 150 consultants qui sont spécialisés sur ce domaine. On accompagne chaque année plus de 5000 entreprises sur la thématique et vous le verrez, on va faire un focus sur la dimension évaluation des risques et c'est vrai que c'est une thématique sur laquelle on a aussi beaucoup de retours d'expérience terrain puisqu'on accompagne environ 300 clients par an sur la thématique spécifique. Sur la loi santé au travail, pour nous, c'était important en fait de soutenir et d'éclairer en fait votre compréhension de cette loi santé au travail. Pour nous, c'est une dynamique extrêmement positive et qui est adaptée aux nouveaux enjeux de la société, puisqu'elle place les services de santé au travail au cœur de la prévention et y associe des mesures de traçabilité et de partage d'une culture de prévention plus forte dans toutes les entreprises. On y reviendra, le sujet de dans toutes les entreprises, pour nous, c'est un sujet important, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'accompagner une diversité importante de clients et de la plus petite jusqu'aux grands groupes internationaux. Et comment faire de la prévention finalement un levier activable pour une TPE, pour une PME, au même titre qu'une ETI ou un grand groupe, c'est un sujet qui est important pour nous. Je vais du coup laisser Antoine commencer à structurer le sujet sur la chronologie et le contexte. Oui, tout à fait. Donc, la chronologie, comment on en est venu, en fait, jusqu'à la date de la mise en application de cette réforme, de cette loi, qui a été, du coup, jeudi dernier, donc le 31 mars 2022. Ça a mis à peu près 4 ans pour arriver jusqu'à cette date d'application. Et je veux juste vous préciser, donc, 5 dates qui sont importantes dans le chemin législatif qui ont mené à cette réforme. Ça a commencé, en fait, par la publication d'un rapport notamment est à l'origine de ce qu'on appelle le rapport Lecoq. Donc, Madame Lecoq est une députée qui est dans l'Est de la France et qui a proposé un rapport pour réorganiser en profondeur le système de santé au travail. Alors, vous allez le voir, en fait, entre les éléments qui étaient indiqués dans le rapport Lecoq et les éléments de la réforme sur la santé au travail, il y a quand même pas mal d'évolutions. Et heureusement, notamment en termes de prévention des risques. Pourquoi ? Parce que, juste pour vous donner un détail, le rapport Lecoq envisageait de supprimer le document unique. Alors, il envisageait de supprimer le terme de document unique et il envisageait plutôt d'orienter l'évaluation des risques sur les risques majeurs. Et on n'était plus du coup dans l'évaluation a priori de toutes les situations de travail. Donc, entre ce qu'il y avait dans le rapport Lecoq et ce qu'il y a dans la loi santé-travail au final, qui est dans lequel le document unique, son rôle est réaffirmé. On a beaucoup évolué, en fait, lié aussi à un chemin législatif dans lequel il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu des discussions avec les partenaires sociaux qui, eux, se sont mis d'accord sur un accord national interprofessionnel donc pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et de conditions de travail. Et lui, cet accord, il vise à affirmer noir sur blanc l'importance de la prévention primaire dans le dispositif de santé au travail. Et il cherche à encadrer davantage l'action des services de santé au travail inter-entreprises. Alors, quelques points de cet accord national interprofessionnel, et notamment quelques points qui ont été repris ensuite dans la réforme. Un meilleur traçage des expositions chimiques, le focus sur les risques professionnels, le passeport prévention, attestant des formations en santé et sécurité des salariés, la collaboration entre médecine du travail et médecine de ville et la mobilisation accrue des branches professionnelles. Alors, vous allez le voir dans les éléments que l'on va donné en détail sur la réforme de santé au travail. On ne va pas reprendre l'ensemble de ces points, mais il y en a notamment certains que vous allez retrouver. Le 23 décembre 2020, date importante, les députés, donc Charlotte Lecoq et Carole Grandjean, ont déposé à l'Assemblée nationale leur proposition de loi relative à la réforme de la santé au travail. Après, il y a eu un parcours législatif classique, Assemblée nationale, Sénat, pour que celle-ci soit adoptée en dernier recours du coup, à l'Assemblée nationale le 23 juillet 2021. Elle a été signée par le président de la République et des ministres le 2 août 2021 et publiée au journal officiel le 3 août. Donc c'est pour ça qu'on parle de la loi du 2 août, parce que c'est la date à laquelle cette loi a été signée, notamment par le président de la République. Et l'autre date importante, c'est le 31 mars de 2022, donc à l'exception évidemment de certains points qui vont demander encore des décrets d'application supplémentaires. Celle-ci est entrée en vigueur le 31 mars. Il y a eu déjà des décrets qui sont sortis, les dates sont le 16 mars et le 18 mars, donc des décrets liés au document unique, donc notamment le 18 mars, et d'autres décrets liés au fonctionnement, à la désinsertion professionnelle notamment, et au fonctionnement des,
des services de santé au travail qui, eux, ont été publiés le 16 mars. Donc voilà pour le parcours législatif de cette réforme. Tu peux, Anne-Laure, ouais, changer de slide. Du coup, les sujets majeurs. En fait, il y a quatre sujets majeurs qui sont en lien avec cette réforme. Notamment, un des premiers qui est de renforcer la gouvernance de la prévention de la santé au travail dans les entreprises et au niveau institutionnel. Alors, quand on lit la loi, on parle beaucoup de la gouvernance au niveau institutionnel. Néanmoins, quand on en fait une lecture de cette loi, eh ben, on renforce aussi la gouvernance au sein des entreprises. Et ça, on va vous l'expliquer. Ça va être le premier point de détail qu'on va orienter. Et c'est une traduction et une lecture qu'on en fait de la loi. Au sein du niveau institutionnel, en fait, il y a deux comités qui sont créés afin d'améliorer la gouvernance donc, du système de santé au travail, un de portée nationale, donc un comité national, et des comités régionaux de la prévention de la santé au travail qui, eux, vont être en charge chaque année d'établir des rapports sur le fonctionnement, notamment des services de santé au travail et la prévention en entreprise. Des décrets ont été sortis pour, notamment en tout début d'année, sur le fonctionnement mais qui compose ces comités. Voilà, pour l'instant, ces comités sont en train de se mettre en place, donc c'est quelque chose qui va arriver dans le futur, notamment par rapport aux différents rapports qui vont pouvoir être émis de ces comités. Le deuxième, de renforcer la prévention au sein des entreprises et notamment les TPE-PME. Vous allez le voir dans les points de détail que l'on va aborder. C'est des choses nouvelles, notamment des obligations nouvelles qui vont être pour également tout ce qui est les entreprises de moins de 50 salariés qui, pour lesquelles, n'avaient pas certaines obligations. Et puis, bien sûr, de réaffirmer que le document unique est un outil indispensable à la prévention. Mais là, on va en revenir en détail plus précisément sur les éléments suivants. Autre sujet majeur qui est la lutte contre la désinsertion professionnelle. Alors, la désinsertion professionnelle, ça peut subvenir en fait à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou non. Sa prévention consiste à anticiper la perte d'emploi d'un salarié qui, pour des raisons tenant à sa santé ou à un handicap, voit son aptitude professionnelle restreinte. Elle passe, suivant les cas, par des actions de maintien dans l'emploi, soit sur le poste occupé par le travailleur au moyen d'aménagement, soit dans l'entreprise, par l'intermédiaire d'un reclassement ou par des actions de maintien dans l'emploi. Je ne vais pas échanger sur l'ensemble des mesures qui sont en lien avec cette désinsertion professionnelle. Néanmoins, on peut citer deux éléments, donc le renforcement des missions des services de prévention et de santé au travail en matière de prévention des insertions professionnelles qui vont notamment agir lors des visites médicales. Et puis, il y a un nouveau rendez-vous qui a été créé qu'on appelle le rendez-vous de liaison entre un travailleur en arrêt longue durée et son employeur. Ce rendez-vous, il peut être à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative de salariés. Il peut être organisé pendant l'arrêt de travail et il a objectif en fait, de mieux préparer les travailleurs au retour à leur poste suite à un arrêt de travail pour des raisons tenant essentiellement à leur santé. Et en même temps, le service de santé au travail peut également accompagner ce rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, aucun contact, notamment entre l'employeur et un salarié en arrêt de travail ne pouvait être établi d'une manière officielle. Aujourd'hui, un rendez-vous peut être organisé pour prévenir et pour prévoir en fait, le retour au travail du salarié. Et je le répète, ça peut être à l'initiative de l'un ou de l'autre. Et puis, en dernier point des sujets majeurs, c'est définir l'offre des services à fournir par les EPSTI. Alors là aussi, il y a une dénomination qui change avec cette réforme. Vous savez, tous les services de santé au travail deviennent en fait des services de prévention et de santé au travail, le I étant pour les services inter-entreprises. Ces missions en fait, vont être élargies avec un champ d'intervention étendu, l'amélioration du suivi de l'état de santé des intérimaires et des sous-traitants, l'extension du suivi de l'état de santé aux chefs d'entreprise et aux travailleurs indépendants, ou encore du changement en matière de mission d'organisation. Là aussi, ce n'est pas le but aujourd'hui nous, de notre webinaire de s'épancher sur le détail de cette réforme, mais sachez qu'il y a des éléments qui vont se mettre en place sur l'évolution de ces services de santé au travail qui deviennent des services de prévention et de santé au travail et inter-entreprise pour la plupart que l'on connaît aujourd'hui. Je vais laisser du coup la main à Anne-Laure.
pour la suite. Alors, je vais vous parler de la dimension qui a été abordée tout à l'heure par Antoine, qui est le renforcement de la gouvernance de la prévention et de la santé au travail. On parle beaucoup à travers cette nouvelle loi, cette loi du 2 août, du passage de la QVT à la QVCT. C'est une thématique qui a été posée par l'ANI, par l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020. Et au-delà du changement sémantique, il y a un vrai changement de paradigme. Pour le coup, on dit souvent avec Antoine, c'est le principe aussi de changer de lunettes sur ce sujet-là, c'est de passer finalement d'une QVT aussi qui était très travaillée plutôt par les fonctions RH d'ailleurs, vers une démarche QVCT ou qui place les conditions de travail au cœur de la démarche. Donc on a un peu établi là, vous le voyez, les impacts en fait de ce changement de sémantique qui n'en est pas qu'une, c'est-à-dire que il y a une volonté très forte de recentrer le sujet de la prévention des risques professionnels et de la santé au travail au cœur des dispositifs. Il y a une volonté d'abord d'écarter les pratiques un peu périphériques ou ce qu'on a nommé nous baby-foot, qui a été un peu la tendance ces dernières années, c'est-à-dire que les fonctions RH notamment se sont saisies de sujets un peu plus serviciels, c'est-à-dire quels services on peut apporter autour du bien-être au travail et c'est aussi à travers cette différence entre la qualité de vie et le bien-être. La qualité de vie et les conditions de travail ne sont pas liées strictement au bien-être, en tout cas c'est une des composantes mais pas que, ça ne suffit pas. Et donc à travers ce changement d'acronyme ou en tout cas de sémantique, il y a une volonté très forte de replacer la santé au travail et le sujet de la prévention au surplus de la réparation au cœur des stratégies d'entreprise. Il y a une volonté également de lier la performance économique de l'entreprise avec le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs, évidemment. On voit beaucoup sur le terrain des responsables HSE qui ont du mal parfois à aller trouver des budgets pour financer des actions de prévention, pour mettre en place des dispositifs, en tout cas pour mobiliser leur direction générale ou des dirigeants d'entreprise autour de ces sujets-là. Là, le paradigme, c'est vraiment de se dire, on sait aujourd'hui qu'il y a des études qui montrent qu'investir dans la prévention des risques, c'est investir sur la performance globale de l'entreprise. Et pour le coup, c'est aussi affirmé dans le cadre de ce changement de paradigme. Donc évidemment, centrer la démarche, je le disais, sur le travail et les conditions de travail, incluant évidemment la dimension risques psychosociaux, les RPS. Antoine le disait, c'est prévenir l'usure et l'indésinsertion professionnelle. C'est un angle et un axe qui est très important dans le dispositif, avec des nouvelles modalités d'application, comme le disait Antoine. C'est aussi d'impliquer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise autour de ce projet stratégique de prévention des risques, notamment la direction. On se le dit souvent, mais c'est vrai que l'escalier se balaye par le haut et c'est hyper important que les fonctions dirigeantes dans l'entreprise soient convaincues et embarquées dans le projet pour que ça fonctionne et que les résultats soient partagés. La direction, évidemment, le management, les fonctions RH, les IRP, bien sûr, puisque le dialogue social est aussi au cœur de la réforme. Et puis, il y a un sujet autour de l'alignement des fonctions RH et HSE. Je vous le disais tout à l'heure en préambule, la dimension QVT souvent a été prise en charge par les fonctions RH, plutôt les ressources humaines, tandis que la fonction d'évaluation des risques professionnels, le document unique, la partie prévention des risques est souvent évidemment traitée plutôt par les fonctions HSE, quand dans l'entreprise les deux fonctions existent évidemment. À travers ce changement et cette démarche de QVCT va forcément impliquer en fait un alignement des fonctions RH, des fonctions HSE. C'est déjà le cas dans certains grands groupes. Il y a déjà aujourd'hui des grands groupes qui ont fait le choix de renforcer, de créer un pôle global qui mêle RH et HSE. C'est évidemment pas le cas dans toutes les entreprises. Et cette démarche va imposer que des fonctions qui ont parfois des cultures un peu différentes se parlent, s'alignent au bénéfice de la santé des collaborateurs. Et puis à travers évidemment le travail hybride, toute la crise Covid qu'on vient de vivre et qu'on continue encore à vivre aujourd'hui, évidemment la dimension santé est centrale autour de la fonction RH et de la fonction HSE. Et puis finalement, il y a la dimension aussi d'attractivité, c'est-à-dire la QVCT, c'est aussi un levier d'attractivité pour les entreprises. C'est un sujet qui est important. On sait qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui en tension et des difficultés de recrutement.
placer la QVCT au cœur de la politique de l'entreprise et donc les conditions de travail, pas juste le projet Babyfoot. C'est aussi mettre en place un dispositif qui va permettre aux collaborateurs nouveaux entrants d'avoir un dispositif de formation, d'animation, de prévention des risques qui va vous aider évidemment à les fidéliser. Alors concrètement, par où commencer ? La dimension sémantique, c'est bien, donc de la comprendre, c'est essentiel. On a un sujet qui est comment on active, en fait, le sujet de la démarche QVCT. Notre conviction, c'est qu'il est essentiel de réaliser un diagnostic initial en impliquant toutes les parties prenantes dans l'entreprise. On y reviendra tout à l'heure sur la dimension culture-prévention, mais le principe de ce diagnostic, c'est vraiment de faire un état des lieux, un point zéro, de manière à avoir une vision objective de la situation, de tirer aussi des enseignements parfois de certaines démarches qui n'ont peut-être pas porté les fruits que vous espériez. Donc cet état des lieux, cette phase initiale de diagnostic, elle est fondamentale et elle est fondamentale en impliquant, en prenant en charge plusieurs angles de vue, de manière à avoir une vision riche et qui va permettre de structurer en fait les piliers stratégiques de l'entreprise et donc les priorités d'action, c'est le deuxième point, pour définir évidemment la stratégie partagée de l'entreprise. Ensuite, il nous semble important, je vous le disais tout à l'heure, la QVCT, c'est une démarche qui va impliquer de faire travailler ensemble des profils avec des cultures différentes. Donc c'est vrai que la formation des acteurs de la démarche pour adopter un langage commun, c'est un sujet qui est important et on le constate à travers les missions qu'on mène. Il ne faut pas oublier cette dimension-là parce que ça fait souvent gagner du temps de parler un langage commun et de se comprendre plus rapidement. Et puis enfin, notre préconisation, c'est de mettre en place des groupes de travail réduits, donc expérimenter plutôt à petite échelle, plutôt adopter une stratégie des petits pas, une fois que voilà, l'état des lieux est partagé, est clair, le plan d'action est constitué et vise la stratégie qui a été décidée, de faire des expérimentations en mode test and learn, donc vraiment à petite échelle, nous paraît la bonne solution et la bonne démarche. C'est d'ailleurs souvent ce que met également en exergue l'ANACT sur le sujet. Antoine, je te laisse prendre la main sur la dimension dialogue social. Oui, effectivement, quand on parlait de gouvernance, la modification de la gouvernance dans les entreprises, ça passe aussi par le dialogue social. Et là, il y a un vrai rôle qui est renforcé du CSE dans la politique santé-sécurité au travail de l'entreprise par plusieurs éléments qui sont présents dans cette loi. Alors déjà, des éléments existaient par le passé, mais il y a des éléments qui sont réaffirmés et pour lesquels le CSE va vraiment contribuer à la prévention dans l'entreprise. Tout d'abord, maintenant, il a un vrai rôle, le CSE a un vrai rôle à jouer dans l'élaboration du document unique. En effet, donc, la loi stipule, dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le CSE et sa commission, quand celle-ci existe, hein, la CSSCT, apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise. Il est ici question du coup d'une véritable participation et pas seulement d'une consultation ou mise à disposition du document. Néanmoins, dans la plupart des entreprises, dont notamment celles qui possédaient par le passé un CHSCT, celui-ci était déjà mobilisé dans la réalisation de l'évaluation des risques suivant les processus ou les procédures mises en place dans l'entreprise. Aujourd'hui, ça devient une obligation que celui-ci participe à l'élaboration. Donc ça, c'est une vraie évolution. Et la deuxième évolution, c'est que maintenant, le CSE, il est consulté sur le document unique. Précédemment, le Code du travail ne prévoyait pas de consultation sur ce DU, mais seulement une mise à disposition du document. Là, on est sur quelque chose de nouveau. Chaque année et lors de chaque mise à jour, il faudra prévoir la consultation du CSE sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et puis après, il y a deux éléments qui dépendent de la taille des entreprises. Quand on va parler de PAPRIPAC ou de liste des actions, en fait, on va être sur des entreprises qui sont soit supérieures à 50 salariés pour le PAPRIPAC, qui est le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail. Donc, ce programme-là, qui est en fait un plan d'action qui notamment est en lien avec le document unique, donc celui-ci doit être présenté au CSE, mais ça, c'était déjà existant, donc ça, ce n'est pas nouveau. Par contre, pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés, il devrait y avoir au CSE une présentation de la liste des actions. Alors, on va en venir plus dans le détail en suivant quand on va être sur les éléments liés à la prévention des risques, sur notamment
qu'est-ce que ça induit cette liste des actions et qu'est-ce que c'est. Donc ça, je développerai par la suite. Donc là, on a un vrai changement, en tout cas, en termes de dialogue social et de prévention des risques, notamment sur cette consultation du CSE au document unique et sur sa participation à l'élaboration. Enfin, participation aux contributions, plutôt, c'est noté comme ça dans la loi. Du coup, Anne-Laure, on peut passer à la slide suivante. Pour continuer sur les éléments liés au CSE, là aussi, il y a des modifications liées à la formation en santé sécurité des membres du CSE et aussi du responsable sécurité, mais on va le voir juste après. Donc là, suivant la taille des entreprises, avant, pour les entreprises de moins de 300 salariés, on avait 3 jours de formation et lorsqu'on renouvelait, c'était également 3 jours. Et pour les entreprises supérieures à 300 salariés, on passait de 5 jours au premier mandat et 5 jours au renouvellement. Donc là, il y a complètement un changement. Donc, pour toutes les entreprises de moins de 300 salariés, on est maintenant sur un premier mandat à 5 jours de formation. Et lorsqu'il y a des renouvellements, on passe à 3 jours. Et pour les entreprises de plus de 300 salariés, on est au premier mandat à 5 jours, ça ne change pas. Au renouvellement, 3 jours, mais renouvellement de 5 jours pour les membres de la CSSCT. Donc voilà, là, quelques modifications en termes de durée de formation. Donc ça, c'est des éléments qui sont, la plupart des éléments, hein, de toute façon, qui sont indiqués, c'est applicable depuis le 31 mars. Hein. Donc si vous avez des formations de vos membres du personnel qui sont prévues, ça doit être sur ces nouvelles, en tout cas, durées de formation. Et puis aussi une modification par rapport au responsable sécurité ou en tout cas la personne compétente en prévention des risques. Le Code du travail oblige toutes les entreprises à avoir une personne compétente en prévention des risques. Elle peut être interne, mais elle peut être également externe. Pour que cette personne soit externe, il faut que cette personne possède un agrément qu'on appelle d'IPRP, d'ingénieur en prévention en prévention des risques professionnels. Un agrément qui est donné par les DRITS, par les directions régionales du travail notamment. Aujourd'hui, il n'y avait pas forcément d'éléments qui étaient bien indiqués par rapport à la formation de cette personne. En tout cas, il y a un élément qui est ajouté au Code du travail avec cette réforme, c'est que le responsable sécurité bénéficie d'une formation en matière de santé au travail sans avoir à le demander. Donc, c'est bien du coup à l'employeur, de manière proactive, de vérifier la compétence et de mettre en place la formation adaptée, bah, le cas échéant, si la compétence n'est pas suffisante par rapport à la responsabilité et aux éléments que l'on attend de cette personne en termes de prévention des risques. Alors, pour la suite... C'est moi qui prends la main. Ouais. On vous a juste, là, on vous a mis du coup la slide sur l'APAV, évidemment, est leader sur les formations en santé sécurité et propose des modalités d'ores et déjà adaptées au nouveau contexte réglementaire. On vous a mis ici des éléments sur le cœur en fait de ces formations, comment chez APAV elles sont structurées. Ce qui est intéressant pour vous de savoir, c'est que nos formateurs chez APAV sont aussi des consultants spécialisés en santé sécurité, donc ils ne sont pas que des formateurs, ils interviennent aussi auprès de nos clients sur des sujets santé-sécurité au quotidien, donc leur dimension pédagogie et modalité de formation sont évidemment enrichies par leur retour d'expérience terrain. Pour le coup, sur le sujet de la formation des membres du CSE, on aborde évidemment les missions et les moyens à connaître en tant que représentant du personnel, le développement des aptitudes à déceler et à mesurer les risques professionnels et ses capacités d'analyse des conditions de travail, évidemment, s'initier bien sûr aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Et pour le coup, la dimension pratique est très fortement structurée dans ces démarches de formation, notamment avec un fil conducteur et des mises en situation dans une entreprise fictive, ce qui permet du coup aux apprenants de se mettre en situation et d'intégrer des réflexes beaucoup plus facilement. On prend en compte évidemment les nouvelles exigences sur le dialogue social. Et puis également, on intègre dans cette dimension des visites de sécurité virtuelle avec des options sectorielles. L'objectif, c'est véritablement que les apprenants, à l'issue de cette séquence, se sentent à l'aise, suffisamment outillés pour contribuer à l'évaluation des risques dans l'entreprise et par suite à l'ensemble des nouvelles dispositions posées par la loi.
Antoine, je te laisse prendre la main sur la partie polyexposition. Oui, donc en fait, la réforme engage une nouvelle donnée qui est pour les travailleurs exposés notamment à des risques chimiques, mais à la polyexposition, donc exposés à différents produits chimiques, que ce soit en simultané ou à la suite. Donc la loi demande à ce qu'on évalue en fait ces risques liés à la polyexposition. Alors c'est une donnée encore assez, pas assez vague, mais assez floue dans le sens où il n'y a pas évidemment de méthodologie qui a été encore bien posée. Alors je sais que l'INRS travaille sur des éléments qui peuvent aider à gérer et à évaluer justement ces polyexpositions, mais en tout cas, il va falloir dans le futur travailler sur ces problématiques-là. Pourquoi? Parce que on se rend compte que justement l'exposition à différents produits chimiques peuvent être justement la problématique de liée à des maladies professionnelles par la suite. Alors aujourd'hui, on sait très bien gérer l'exposition à un seul produit chimique, en connaissant très bien sa composition et en faisant une évaluation du risque chimique et ensuite en faisant des mesures d'exposition si besoin. Donc là, là aujourd'hui, les entreprises savent très bien le faire. Mais la polyexposition, donc du coup, d'être exposé à plusieurs produits chimiques, notamment en simultané, on a beaucoup de difficultés, notamment en ne sachant pas ce que les produits chimiques entre eux peuvent introduire comme nouveaux risques. Donc, les entreprises devront évaluer ce sujet-là dans leur document unique. Ça, c'est nouveau et c'est un nouvel article du Code du travail. Et puis, autre nouveauté liée à la polyexposition et le risque chimique, c'est le suivi individuel renforcé. Donc, si le médecin du travail constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, il met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Je vous l'ai dit au tout début, lorsqu'on parlait des champs étendus d'action de la médecine du travail, c'est aussi en lien avec la médecine de ville. Et là, on rentre pleinement dans ce cadre-là où le suivi post-exposition ou post-professionnel peut être traité par différentes composantes de la santé, que ce soit public ou au travail. Et bien sûr, cette surveillance, elle tient compte de la nature du risque, de l'état de santé et de l'âge de la personne concernée. Cette fois-ci, je suis allée trop vite, pardon Antoine. Non, non, mais c'est bon, tu peux aller sur l'élément suivant. Je vous en parlais tout à l'heure du passeport prévention. Alors, la loi, elle prévoit le passeport prévention. Il est même déjà inscrit dans le Code du travail, hein, où ce passeport prévention a plusieurs objectifs. Il a l'objectif notamment de tracer les formations tout au long de la carrière d'un travailleur. Ainsi, l'employeur, il doit renseigner les attestations, certificats, diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Ce passeport, il peut aussi être complété par les organismes de formation et le travailleur lui-même peut inscrire ces éléments dans ce nouveau passeport lorsqu'il a obtenu à l'issue des formations qu'il a suivies de sa propre initiative. Alors pour le moment, on a tous ces éléments qui sont inscrits dans le Code du travail, mais il nous manque un décret d'application au niveau de sa matérialisation. C'est-à-dire que ce passeport prévention, aujourd'hui, il n'existe pas. Il y a pas. Est-ce que ça sera une plateforme dématérialisée dans laquelle l'ensemble que ce soit des employeurs, des salariés, auront accès à leur passeport? Voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore défini. On a juste cette définition dans le Code du travail, mais ça va demander en tout cas des décrets d'application pour la mise en place de ce passeport prévention. Là aussi, c'est une nouveauté qui est quand même plutôt intéressante. Pourquoi? Parce que vous aurez accès, du coup, ou on pourra vous donner l'accès à un historique, en fait, de l'ensemble des formations suivies par le salarié dans des formations, justement, en lien avec la santé et sécurité au travail. Et ça va permettre de tracer l'ensemble de ces formations tout au long de la carrière. Donc là, plutôt intéressant. Et c'est quelque chose qui va pouvoir, en tout cas, d'une entreprise à l'autre, si un salarié était amené à changer, de revenir aussi sur un historique. Souvent, il y avait quand même pas mal de pertes de données qui pouvaient être réalisées dans une entreprise. Et si ce salarié changeait, on n'avait pas forcément toutes les données de ce qu'il avait eu précédemment. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant et des formations qui peuvent justement servir dans plusieurs entreprises. Donc voilà pour le passeport prévention. Alors,
un des axes majeurs, du coup, et qui est le sujet le plus intéressant que l'on va aborder, qui est de renforcer la culture prévention des risques dans les entreprises. Donc là, on en vient au sujet du document unique. Alors, du coup, le document unique, hein, cette réforme le replace au cœur de la politique de prévention des risques. Il réaffirme son positionnement comme un outil au cœur de cette politique et puis surtout un des outils essentiels pour prévenir les situations d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou les situations à risque. Donc, il est bien renforcé par ce texte, là où on pouvait avoir un doute, notamment par le rapport Lecoq qui avait été émis en 2018. Donc, la finalité de l'évaluation des risques, mais là, pour la plupart des personnes âgées, ceux qui sont présentes, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est bien de hiérarchiser les risques pour définir les actions de prévention pertinentes. Là, c'est un article du Code du travail qui le dicte. Donc, ce document unique, il doit bien déboucher sur des actions de prévention à chaque mise à jour, si nécessaire. Là aussi, c'est des éléments qui sont indiqués dans cette réforme et traduits dans le Code du travail. Donc là, nouveauté pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés, ces entreprises devront établir une liste d'actions de prévention qui découle du document unique et qui est consignée dans le document unique. Alors, entre la réforme et les décrets, il y a quelques éléments qu'on peut changer. Dans la réforme, il y avait marqué « et qui peut être consigné dans le DU », dans le décret d'application, c'est marqué « et qui est consigné dans le document unique ». Donc, la liste d'actions, enfin, vous faites pour les entreprises de moins de 50 salariés, vous faites votre document unique. Enfin, vous retranscrivez les résultats de l'évaluation des risques dans le document unique et ensuite est consignée à l'intérieur la liste des actions qui en découlent sur les risques majeurs dans lesquels vous avez défini un niveau de priorité. Pour toutes les entreprises supérieures à 50 salariés, pas de changement. Et Anne-Laure, tu peux passer sur la slide suivante. Voilà. Pour toutes les entreprises supérieures à 50 salariés, pas de changement. L'entreprise doit toujours réaliser ce qu'on appelle le PAP-RIPAP, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Néanmoins, un article du Code du travail précise ce qu'il doit contenir. Donc, la liste détaillée des mesures devant être prise au cours de l'année à venir, avec pour chaque mesure ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultats, l'estimation de son coût, les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées et un calendrier de mise en œuvre. Et pour ne pas oublier aussi que du coup, ce programme annuel, il doit être présenté au CSE chaque année, au même titre que le bilan santé-sécurité qui est aussi réalisé chaque année. Donc là, on a vraiment un changement de paradigme parce que là où avant, c'est vraiment de passer d'une approche statique de l'évaluation des risques à une approche dynamique. On est bien d'accord que la finalité de l'évaluation des risques, c'est bien derrière les programmes d'action qui sont établis. Et c'est pour ça que pour toutes les entreprises qui étaient de moins de 50 salariés pour lesquelles il n'y avait pas d'obligation, ça devient une nouvelle obligation dans laquelle elles vont devoir travailler à mettre en place ces listes d'actions en lien avec l'évaluation des risques. Donc, juste pour le rappeler à l'ensemble des personnes qui sont présentes et peut-être pour certaines n'en avaient pas connaissance, mais l'évaluation des risques, donc c'est obligatoire depuis une loi de 91, et les résultats doivent être inscrits dans le document unique depuis 2001, donc il y a déjà plus de 20 ans. Néanmoins, on sait aujourd'hui qu'il y avait encore beaucoup d'entreprises qui ne réalisaient pas le document unique ou alors qui ne réalisaient pas la mise à jour au maximum annuel qui doit être réalisée. Donc, avec ces éléments-là, on réaffirme le côté obligatoire de l'évaluation des risques et derrière ce que ça en découle en termes de présentation CSE, consultation CSE ou encore de réalisation de ces listes d'actions. Ensuite, l'élément extrêmement important d'évolution de cette réforme, c'est la double finalité du document unique, prévenir et tracer. Et c'est là que vous allez voir des évolutions importantes ou en tout cas des nouvelles obligations. Donc, ce document unique, il doit non seulement répertorier donc, l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, mais il est également supposé assurer la traçabilité collective de ces expositions. Ça, c'est plutôt nouveau. Et vous allez voir juste sur la slide de suivante, justement, ces obligations, qu'est-ce qu'elles engendrent en termes notamment d'obligations d'archivage et de conservation du document unique. Alors,
Donc, ce document unique pour mieux prévenir et tracer, notamment d'archiver les différentes versions du document unique pendant au moins 40 ans. Donc là, à partir du 31 mars 2022, vous devez archiver l'ensemble des mises à jour du document unique. Alors, deux solutions. La première, qui est que l'État va mettre en place une plateforme numérique de dépôt de documents uniques. Alors pour l'instant, cette plateforme, elle en est juste, enfin l'État, les partenaires sociaux, les partenaires patronaux sont en train de se mettre d'accord pour l'écriture d'un cahier des charges pour établir cette plateforme numérique. Cette plateforme numérique, il y aura deux dates importantes dans lesquelles les entreprises devront déposer justement leurs documents uniques sur cette plateforme. Avant le 1er juillet 2023, ça sera pour les entreprises supérieures à 150 salariés. Et avant le 1er juillet 2024, ça sera pour les entreprises inférieures à 150 salariés. En attendant, et ça c'est écrit dans le Code du travail, c'est à l'employeur de conserver les versions successives du document unique sous la forme d'un document papier ou de manière dématérialisée. Donc, les obligations qui vont engendrer, et vous allez comprendre pourquoi, il est extrêmement important d'établir en tout cas des versions successives, notamment en lien avec cet archivage pendant au moins 40 ans, c'est que ce document unique, il doit pouvoir être mis à la disposition d'un public élargi. Les travailleurs actuels peuvent demander le document unique à la date, en tout cas à la date auquel ils le demandent, mais ils vont pouvoir aussi demander le document unique à une date inférieure, à une date antérieure, permettant de retracer les expositions auxquelles ils étaient concernés, peut-être 2 mois précédemment, peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans, suivant la date à laquelle va demander aujourd'hui les travailleurs actuels. Mais là aussi où c'est important, les anciens travailleurs, c'est-à-dire que les anciens salariés de votre entreprise, pourront demander l'accès aux expositions, enfin en tout cas à l'évaluation des risques des expositions auxquelles ils étaient assujettis à une date auxquelles ils demanderaient. C'est pour ça qu'il faut pouvoir archiver l'ensemble des mises à jour du document unique. Alors bien sûr, hein, ça peut être fait sous la forme papier. Néanmoins, avec cette plateforme dématérialisée, on va rentrer pleinement dans la digitalisation du document unique. On va vous expliquer quelques éléments en suivant. Et cette digitalisation, alors bien sûr, hein, ça peut être fait par un document Excel, mais aujourd'hui, le document Excel de bien archiver toutes les mises à jour, on va commencer à être dans quelque chose de plus compliqué. Et puis, bien sûr, pour terminer, toutes les personnes ou instances pouvant justifier d'un intérêt pourront y avoir également accès aux documents uniques. Alors, juste pour vous donner un petit cas pratique, en fait, de ce que quelles démarches peuvent être faites, mises en place dans l'entreprise pour en fait, passer de cette contrainte administrative à une opportunité de performance. Donc, je vais juste vous exposer un contexte client et puis l'accompagnement qui a été mis en œuvre. Alors, le contexte client, on va vous parler d'une entreprise qui avait des remontées des IRP, notamment du CHSCT. Bien sûr, c'est un contexte qui date déjà d'il y a quelques années, mais aussi des remontées qui provenaient du préventeur qui est en place, qui indiquait que le document unique était une démarche chronophage et pas utile en termes de prévention par la suite. Donc là, bien sûr, nous, on a cherché aussi à comprendre pourquoi ils voyaient cette démarche-là chronophage et puis pas utile. La direction et préventeur se sentant désarmés sur la méthode à mettre en œuvre pour passer de la contrainte à l'opportunité, ils ont fait appel en fait, à un spécialiste maîtrise des risques qu'ils connaissaient pour des missions d'inspection, notamment l'APAV, et qui avait également l'avantage d'introduire un tiers de confiance spécialisé dans la démarche prévention de l'entreprise. Donc, l'accompagnement qui a été mis en place. Tout d'abord, on a réalisé un diagnostic initial. En fait, leur DU avait été réalisé par une seule personne, le préventeur, sans que le management n'y ait été associé. Il était par ailleurs formalisé sur un éditeur de texte. Voilà, hein, aujourd'hui, on retrouve encore dans des entreprises des documents uniques qui se retrouvent sur des documents doc, Word, et qui sont extrêmement compliqués en fait à utiliser, à mettre à jour et pour lequel derrière à traiter en fait. Et on se rend compte aussi qu'il n'était ni suivi ni piloté. Autant dire que ce travail qui était considéré comme une charge administrative sans aucune valeur ajoutée pour la politique de prévention des risques de l'entreprise. Là, on s'en est bien rendu compte, mais aussi parce que derrière, un projet n'avait pas été mis en place autour de cette démarche d'évaluation des risques.
Et c'est là tout le travail qu'on a pu faire auprès de cette entreprise, c'est d'organiser un projet et non pas un travail d'expert spécialiste en solo. Et c'est là toute la difficulté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la loi réaffirme le fait que le CSE doit contribuer à la réalisation de l'évaluation des risques. C'est qu'aussi, c'est que ce n'est pas un travail que de spécialiste, mais que dans la démarche globale d'un projet, toutes les personnes composantes doivent participer à cette évaluation des risques. Donc là, ce qu'on avait mis en place, on avait mis en place un comité de pilotage qui était composé de la direction, de managers, de RH et du préventeur qui s'était accordé sur une méthode, la réalisation des risques par les managers. Donc là, bon, forcément, ces managers, on leur a fait une formation action, et qui, en appliquant du coup, les collaborateurs terrain. Et là, le préventeur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué un rôle de garant méthodologique et de support en cas de besoin. Et l'utilisation aussi d'un outil informatique dédié du coup à faciliter l'exploitation des données. Et quand on parle d'exploitation des données en lien avec l'évaluation des risques, c'est derrière pour traiter des plans d'action. Donc du coup, ça a mis en place derrière un plan d'action structuré et détaillé qui a permis de faire évoluer justement les pratiques et de faire évoluer la prévention des risques dans cette entreprise. Donc c'est pour ça on passe de cette contrainte administrative à un vrai mode projet qui fait en sorte qu'on contribue du coup à la performance de l'entreprise. Peut-être juste j'en profite Antoine pour vous donner un peu de résultats sur les sondages qu'on vous a mis à disposition sur la barre, le menu de droite. Vous êtes un peu moins d'un tiers à avoir répondu sur le sujet des moyens. Avez-vous aujourd'hui les moyens de tracer l'ensemble des mises à jour du document unique? Donc à 75% à peu près, je vois que vous êtes en train d'y répondre du coup. Globalement, vous trouvez que vous avez les moyens aujourd'hui de tracer l'ensemble des mises à jour, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parmi notre audience. Vous avez plutôt la capacité à faire. Et puis, sur la partie, on vous a posé la question de la démarche QVCT. Et pour le coup, vous êtes 68%, 82%, pardon, vous êtes 69 à avoir répondu, 70, que à date, vous n'aviez pas encore réalisé de diagnostic initial pour lancer la démarche de QVCT. Voilà, juste si vous pouvez prendre le temps de répondre à cette question. On va au fur et à mesure également vous interroger sur d'autres sujets. Merci à vous qui contribuez. Mais voilà, en termes d'interaction, c'est important. Globalement, vous êtes plutôt outillé, vous avez les moyens en matière d'évaluation des risques pour gérer les mises à jour. Sur la dimension QVCT, en revanche, c'est une démarche nouvelle et pour laquelle la phase de diagnostic initial n'a globalement pas été menée. Peut-être, Antoine, je te redonne la main sur le sujet. Après, on arrive sur ta partie, donc tu peux... Comment en termes de timing, on ne va pas être bon. Oui, on va être un peu court, c'est vrai. Alors, on va passer assez vite. On va vous adresser la présentation, vous aurez le support de présentation et le replay. Donc, vous aurez accès au replay de ce webinaire. Voilà. Alors, la mise en perspective, ça nous a semblé intéressant de vous mettre en perspective une étude qu'on a menée au printemps l'année dernière autour du sujet de la digitalisation des processus HSE. On a eu 607 répondants, parmi principalement plutôt des entreprises de moins de 200 salariés et principalement dans le secteur de l'industrie. Mais ça nous semblait intéressant, c'est toujours compliqué de savoir comment on se positionne vis-à-vis de ses pairs. Et ça nous semblait intéressant de vous exposer les résultats de cette étude, d'abord parce que l'échantillonnage est relativement dense pour pouvoir le faire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que globalement, nos répondants, donc les 607 entreprises, 78% des fonctions HSE qui ont répondu à ce questionnaire nous ont indiqué avoir au moins digitalisé un de leurs processus HSE. Et dans la grande majorité des cas, c'était avant tout du développement interne. Et vous le voyez, le trio de tête, c'est évidemment la déclaration d'accident du travail. On sait aussi que vous avez le portail Net Entreprise qui vous permet de digitaliser la déclaration des accidents du travail, même si par contre, il ne vous permet pas de consolider et de piloter pour le coup, mais au moins, vous pouvez faire cette étape en dématérialisation. Le document unique est digitalisé pour la moitié de nos répondants. Alors, si on... Et puis, la
partie veille réglementaire. On sait que c'est un sujet de douleur parfois pour nos clients, le sujet de la veille réglementaire. On vous reparlera rapidement ensuite d'une solution. Si on le lit à l'inverse, ce trio de tête, on se dit que quand même, aujourd'hui, parmi nos répondants, donc on a des répondants qui sont quand même plutôt éveillés sur le sujet, et on en a un sur deux qui aujourd'hui n'utilise pas la digitalisation pour gérer le document unique. Et c'est un peu le constat que nous partageait aussi Antoine à travers les missions de terrain, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de nos clients qui utilisent encore des documents plutôt statiques, donc de l'Excel ou des documents Word pour gérer cette partie-là. Parmi les informations qu'on voulait vous partager, il y a aussi parmi les projets à venir de cet échantillonnage, c'est aussi finalement le trio de tête, donc la remontée des situations à risque, l'analyse des risques avant intervention et la visite de sécurité pour lequel les projets prioritaires de digitalisation seront menés. Et vous avez là le détail en fait des différents items sur lesquels les fonctions HSE que nous avons questionnées souhaitent digitaliser. Alors, on a, nous, au sein d'APAV, évidemment, réfléchi et travaillé sur une gamme de solutions digitales pour répondre aux enjeux de nos clients. C'est vraiment à travers le prisme de nos missions et des besoins de nos clients qu'on a structuré cette gamme d'offres. C'est une gamme qui est vraiment qui répond aux enjeux très opérationnels de nos clients avec des solutions digitales simples et fonctionnelles. C'est un parti pris, c'est-à-dire qu'on ne veut pas monter d'usine à gaz. Notre objectif, c'est vraiment, à travers ces solutions digitales, de répondre à vos besoins opérationnels. Donc, on a une gamme qui s'appelle Santé Sécurité au Travail, avec du coup la capacité à vous aider à évaluer vos risques et l'élaboration du document unique. Et c'est une solution digitale qu'on a vraiment imaginée pour les TPE-PME, de manière à ce que quand on n'a pas de spécialistes ou d'experts au sein de l'entreprise, on soit quand même en mesure de mettre en place cette démarche en lien avec la réforme. Je réalise mes audits et diagnostics réglementaires ou non dans le cadre d'une solution digitale également, et on pourrait très bien imaginer que la dimension QVCT soit intégrée dans le cadre de cette solution qui s'appelle CHECK, Santé Sécurité au Travail, on va vous en parler. J'anime la remontée des situations à risque et je mène les plans d'action associés, là aussi c'est une solution digitale dédiée, et je reste informée de l'évolution réglementaire et des textes applicables avec la solution de veille réglementaire. Je vais laisser Antoine vous en dire un petit peu plus. Oui. Tout d'abord, je vais vous parler de Pilote Santé Sécurité. En fait, Pilote Santé Sécurité, c'est notre plateforme digitale qui est dédiée à l'évaluation des risques et à l'élaboration du document unique. Pilote Santé Sécurité, ça a été monté par deux entités, des experts APAV en santé sécurité et des leaders sur le marché en termes de solutions digitales HSE. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que nous, lors de chaque solution digitale, nous ne voyons pas ça comme justement qu'un outil. Nous ne sommes pas des vendeurs de logiciels, mais nous sommes des vendeurs de prestations. Et nous, on appelle ça les services augmentés, c'est-à-dire que à chaque prestation de solution digitale est associée aussi des prestations d'experts. Donc, si demain vous êtes amené à utiliser ou à prendre Pilote Santé Sécurité, vous allez être aussi adossé à un expert APAV, un consultant de proximité qui va vous accompagner dans votre processus d'évaluation des risques. Alors, cette solution, elle a été pensée et développée pour tout ce qui est TPE, PME, notamment pourquoi ? Parce que cette solution, il y a déjà tout un paramétrage qui est simplifié. Là où les outils HSE dans sa globalité, sans faire une étude de marché globale, sont déjà très chronophages dès le début, c'est-à-dire que ça demande un temps de formation assez important, ça demande un temps de paramétrage également assez important. Là, notre solution, on l'a voulu justement être un outil clé en main, c'est-à-dire que de suite, ça va demander une heure de présentation de formation et tout ce qui est le paramétrage, notamment de la méthodologie à l'intérieur, bah, cette méthodologie, elle existe déjà. C'est une méthodologie qui a été éprouvée par les consultants APAV depuis plus de 20 ans. Et pour lesquelles elle répond pleinement, en tout cas, à l'obligation d'évaluation des risques. Cette solution, on l'a mise sur le marché depuis deux mois. En tout cas, on a un outil qui est fiable puisque utilisé parce que on est associé justement à une plateforme qui existe depuis plus de 20 ans, donc qui est connue sur le marché. Pas rentrer dans le détail de Pilote Santé Sécurité, vous avez des sondages qui vont apparaître dans lesquels, si vous souhaitez plus de détails, des démonstrations, vous pouvez revenir vers nous. Mais en tout cas, sachez que les enjeux, en tout cas les valeurs de cette plateforme, ça a été fonctionnel,
qui permet d'avoir une plateforme qui donne tous les éléments de ce qu'on attend de l'évaluation des risques et du pilotage des actions par la suite. Et aussi gain en efficacité parce qu'elle permet d'aller rapidement dans son utilisation. La deuxième plateforme que l'on a mis en place, c'est la solution Check Santé Sécurité. Alors la solution Check Santé Sécurité, là aussi, c'est une solution déjà utilisée depuis plus de 2 ans par les consultants pour réaliser certaines missions. Nous, ce qu'on a voulu mettre en place, notamment pour nos clients, c'est que cette solution, elle est agrémentée de référentiels qui ont été établis par la PAV. On a un référentiel réglementaire en santé sécurité, on a un référentiel réglementaire en environnement, on a des référentiels d'organisation en santé sécurité environnement, des référentiels d'organisation en incendie, en sûreté malveillance. Et l'idée est que cette solution digitale, vous allez pouvoir prendre une prestation dans laquelle de vous-même, vous allez faire votre diagnostic. Et ensuite, on va adosser les conseils d'un expert qui va vous établir avec vous, qui va analyser les résultats et qui va vous proposer un plan d'action par la suite. Là aussi, un sondage vous permet de répondre si vous avez des besoins de conseils ou de démonstrations sur cet outil. L'outil suivant, c'est un outil qui existe depuis 3 ans maintenant, que l'on a mis en place et qui est une application pour remonter les situations dangereuses du coup sur le terrain. C'est associé à 2 éléments. Une application qui est disponible sur les stores. Donc aujourd'hui, vous allez sur le Play Store pour Google ou sur l'App Store pour Apple, vous allez avoir accès à une application qu'on appelle Alerte Premium qui est disponible sur le store. Cette application, elle s'associe aussi avec un espace web permettant de piloter l'ensemble des remontées de situations dangereuses qui aura été fait par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Sur cette plateforme, ça permettra également, aussi bien par des indicateurs, de suivre l'évolution des situations dangereuses que par des modules existants, comme un module plan d'action permettant de générer des actions en lien avec la remontée de situations dangereuses et de les piloter. Cette application, elle est très fonctionnelle, hein. Je prends une photo de la situation, j'explique en même temps, je l'évalue cette remontée de situation dangereuse, je la envoie pour traitement auprès de mon manager, du responsable HSE, suivant le processus que vous aurez défini. Là aussi, vous pouvez tester gratuitement pendant 60 jours la première version de cette application qui propose tous les éléments essentiels de l'outil en globalité. Et là également aussi, un consultant vous suit d'année en année sur votre processus de gestion de remontée des situations dangereuses. Le dernier outil de notre gamme santé, sécurité, environnement est un outil pour la veille réglementaire, donc Pilote Veille, connu également chez nous par l'outil Avisé qui va évoluer au cours de cette année. Alors Pilote Veille, très simplement, c'est bien sûr, la PAV est équipée d'une cellule juridique d'une dizaine de personnes qui est située en région parisienne, qui étudie l'ensemble des textes qui sortent sur plus d'une quinzaine de thématiques, la santé sécurité au travail, l'environnement, la sûreté malveillance, mais aussi d'autres thématiques, et qui vous permet, suivant le périmètre dans lequel vous êtes situé, toute la remontée des textes vous concernant, ou en tout cas pour lequel il y aurait une notion d'applicabilité des nouvelles dispositions prises dans ces textes concernés par votre entreprise. Là aussi, ça se veut être un service augmenté parce qu'à chaque fois, vous êtes associé à un chargé de veille qui est de proximité, qui va vous voir régulièrement qui lui-même, parce qu'il a la connaissance de votre entreprise, établit les textes à vous pousser dans votre veille réglementaire. Là également, tout un outil permettant de réaliser les plans d'action et de traiter les éléments en lien avec la veille réglementaire et la conformité réglementaire de votre entreprise. Alors, je pense que ce qui est important, Antoine, peut-être avant de clôturer, parce que pour le coup, on a un peu dépassé le délai, c'est effectivement de bien vous redire que le parti pris pour nous, c'était le principe du service augmenté, c'est-à-dire que la digitalisation, elle apporte de la fonctionnalité, de la simplification. Mais c'est vrai que APAV s'inscrit dans un dispositif d'amélioration continue et l'objectif, c'est aussi de pouvoir accompagner nos clients avec cette dimension collective ou individuelle, mais en tout cas d'amélioration continue.
Pour le coup, il y avait un exemple, peut-être qu'on va passer assez vite. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. On ne va pas trop dépasser. Pour le coup, ce que je vous propose, si ça vous convient, d'abord, merci des interactions et de votre intérêt par rapport à ce webinaire, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions. Ce que je vous propose pour qu'on ait un respect des délais à peu près, parce qu'il nous reste une minute, c'est qu'on revienne vers vous, Antoine et moi, et on va vous répondre à chacune de vos questions de manière à ce que voilà, on puisse vous apporter des éléments de réponse très pragmatiques. On nous pose la question de la nouvelle version d'Avisé. La nouvelle version, je vais clôturer là-dessus, la nouvelle version en phase d'expérimentation. Dorénavant, on expérimente systématiquement avec nos clients la phase avant le lancement. Donc, il y a une expérimentation qui va avoir lieu là avant l'été et un lancement d'ici la fin de l'année de la nouvelle version. Voilà. Je ne sais pas, Antoine, si tu veux clôturer, pardon. Non, mais c'est bon. Non, mais juste pour voilà, réaffirmer que cette réforme, pour une fois, en tout cas en termes de prévention des risques, a vraiment une utilité, notamment sur cet outil qu'est le document unique au sein des entreprises. Et puis surtout, elle n'oublie pas les petites entreprises. Et bien sûr, ça crée de nouvelles obligations, mais ça doit créer normalement une nouvelle émulation en termes de prévention des risques dans ces entreprises-là. Et puis surtout, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre, hein. Et c'est des coûts pour ces entreprises de bien comprendre que faire de la prévention des risques permet de gagner en performance dans la globalité d'une entreprise, que ce soit de la performance économique ou de la performance notamment en productivité. Donc c'est ça tout le message qui est en tout cas succinct, mais qui est dicté par cette réforme, et c'est nous, en tout cas, comment on l'interprète. Voilà. Merci à tous et à toutes, en tout cas, pour votre présence à nos côtés. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et puis un bon appétit puisque le déjeuner arrive. Voilà, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.